En sport, le championnat national de la première division, nouvelle formule, va démarrer le 17 septembre prochain. L'annonce a été faite hier après-midi par le président de la Ligue nationale de football. Un extrait de ses propos. Je voudrais saisir cette occasion pour annoncer également qu'en prélude des matchs de la première journée de la deuxième édition du championnat national, il sera organisé un match de levée de rideau entre deux équipes choisi par le comité d'organisation selon des critères bien définis. Aussi, une note circulaire de la LINAFOOT à l'attention des clubs engagés fixant les modalités d'engagement de la période de mutation des joueurs et de la demande de licence des joueurs sera publiée dans les 48 heures. En ce qui concerne le cahier des charges relatif aux critères de participation au championnat national de football de 1 de la LINAFOOT, qui sera transmis aux équipes engagées dès le 31 août 2017. Il y a lieu de préciser que la vulgarisation du texte du règlement spécifique et du code disciplinaire débutera probablement du 30 août au 2 septembre 2017 dans toutes les régions du pays. C'est le lieu ici de dire aux dirigeants confondus du football de ne plus obstruer, étouffer ou empêcher la détermination et l'enthousiasme de la jeunesse tchadienne à jouer au football pour leurs intérêts égoïstes et individuels. Dans le monde du football moderne, on travaille, on mérite. Lâcher la jeunesse s'épanouir, s'affirmer, s'exprimer, et non les pousser désespérément à partir dans les pays voisins sans suivre. Aussi, chaque club engagé en championnat national de Ligue de la LINAFOOT doit s'assurer de son propre financement et non attendre délibérément l'imaginaire appui financier, voire aléatoire de la LINAFOOT, afin d'éviter des forfaits injustifiés. Car le bureau de la LINAFOOT prendra entièrement en charge les frais d'organisation des matchs. Par contre, nous déplorons la situation des clubs qui entretiennent les joueurs sans activité, entraînant donc des charges non productives durant cette période de crise économique et financière sans précédent que traverse notre pays ces dernières années. Enfin, nous demandons à toutes les parties prenantes de se sacrifier, de mouiller les maillots, de placer le football au-dessus de toute autre considération, car leur concours est indispensable à la réussite de cette activité footballistique que nous aimons de tout cœur.